Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui on va parler vraiment de la biomécanique du corps, donc vraiment ce qui peut sentir chaque partie du corps, vraiment sentir le ancrage. Un petit exercice, le Decker Chan Kong aussi, pour travailler ce ancrage et venir vraiment sentir que notre corps est lié, que ce soit les dorsaux, vraiment le dos qui est très important, les hanches et vraiment les lombaires qui sont importants. Vers la fin de la vidéo je vous démontrerai un petit exercice vraiment pour sentir ces lombaires, donc c'est vraiment un test. Le but c'est pas de se blesser non plus, on n'est pas là pour se blesser, donc c'est vraiment, si vous sentez que vous n'y arrivez pas à la maison, parce que c'est un travail qu'on peut se faire effectuer à la maison, ça ne sert à rien de vraiment vouloir pousser pour après se blesser ou vraiment être, se faire s'endommager le bas du dos. Parce qu'après, bon, le but c'est quand même de durer dans le temps, dans la pratique qu'on peut effectuer, le but c'est de durer dans le temps, pas sur le moment, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va vraiment travailler le premier exercice, donc les pieds sur la même ligne, parallèle, et vraiment rentrer le bassin et on va essayer de voir comment se libérer de ces tensions. Ici, voilà. Là, le bassin remonté, vraiment tac. Relâchez les épaules à maximum. Les épaules sont molles. La hanche, montez. Sentir que cette hanche s'enfonce. Sentir beaucoup les appuis. Les genoux, les appuis. Sentir que, voilà, chaque partie avant-arrière, on est ancré. Limite, on s'enfonce dans le sol. Même les tensions au niveau des épaules, des bras, des coudes, on va vraiment sentir qu'on va dans le sol. Vraiment, toutes ces tensions, on sent qu'elles vont vraiment au centre, dans un seul centre. Sentir vraiment cette gravité. C'est comme dans le kata en Getsu, quand vraiment on est là, ici, et vraiment sentir cette gravité. Dans la position Sanchi Ashidashi, ici, le sablier. Donc vraiment sentir que on est ancré, là vraiment. C'est un peu le même système, sauf que c'est les pieds parallèles, c'est Ekodachi. Donc vraiment, vraiment être là. Sentir qu'on est vraiment parallèle, là. Toutes ces tensions, la colonne vertébrale droite,
Donc voilà, bam. C'est comme qu'on peut le voir aussi pour le one in sponge, c'est vraiment être là, bam. C'est vraiment sentir que, bim, vraiment le dos qui accompagne dans la frappe, c'est vraiment. Donc là aussi, on va venir parler comme, on va dire en Chine, vraiment dans la tradition chinoise, le yin et le yang. Quand je parle de ça, c'est le yin. Bam, quand on pousse, on va dans le centre, vraiment au fond, donc vraiment comme si on voulait rentrer dans la terre, et les pieds ancrés, et vraiment sentir que là, la hanche et le haut du corps vraiment s'ouvre, se libère pour avoir un mouvement ample. Donc si on prend l'exemple de ça, là, vous voyez, c'est vraiment ici. C'est, voilà, quand on fait les mouvements de step ici, voilà, donc c'est vraiment sentir jusqu'à la colonne vertébrale que là, ça s'enfonce, et là, on ouvre comme si, voilà, vraiment ce... On s'entasse. Voilà. Ici, vraiment, là, on se tasse. Là, boum, on se tasse. Boum. Donc voilà, vraiment sentir qu'on est ancré. Pour les frappes, qui est le jab fouetté, on déjà, les bras doivent être relâchés à balle. Vraiment être relâché ici. Vraiment, bam, bam, bam. Vraiment sentir qu'on est relâché. Limite, on doit aller dans tous les sens, c'est relâché. Voilà, vraiment les épaules relâchées, vers le bas, vraiment relâché. Voilà. Les appuis vont jouer comme beaucoup, donc c'est vraiment ici. Comme dans le one in sponge, une frappe, et les dorsaux vont beaucoup venir jouer. C'est vraiment, on est là, c'est vraiment, on va vers l'attaque. Pour une frappe profonde et rapide. Après, pour les frappes rapides et puissantes, donc c'est vraiment ici. Vraiment, même pour le Gakutsuki, vraiment, on tire que. Vraiment. Voilà, ancré. Vraiment ancré. Et ensuite, pour le fast jab, tout ce qui est technique pour habilité, donc j'ai dit les bras hyper relâchés. Tout le corps va venir jouer. Donc sans se sentir ancré. Vraiment sentir ancré. Et surtout à la fois ancré et léger. Donc je sais que c'est compliqué ce que je dis. Vraiment, les talons ne touchent pas le sol. Sentir cette pression sur les genoux. Voilà, vraiment sentir cette pression, vraiment. Voilà, ici, 20 mètres de se déplacer. Vraiment sentir cette pression. Et pour libérer, on va dire faciliter la fluidité dans les mouvements et la rapidité, c'est vraiment se sentir aussi à la fois ancré. Donc ça veut dire que je me sens ancré. Bon, la hanche se libère et là, on est ancré. Donc vraiment, même le pied arrière va vers le sol. Et vraiment pour sentir, c'est vraiment aussi à la fois être léger sur ses appuis, sentir léger. Vraiment, c'est vraiment une fraction de seconde. Et quand on vient enfoncer vers la terre et libérer la hanche, pour ensuite la transmettre dans le coude et dans le bras, et le coude doit rester vraiment collé au corps. C'est comme un arbre, vous voyez, un arbre solide pour qu'il tienne pendant des décennies, avec les grands chênes pour que le tronc tienne des décennies. Déjà, il faut avoir des bonnes racines et ensuite un bon tronc. Donc c'est toute cette participation et cet alignement qui fait le yin-yang et le yang, qui fait que là, on va venir combiner les deux avec le relâchement. Donc c'est le bas du corps, on va dire, les appuis, le bas du corps qui contrôle le haut du corps. Le haut du corps est vraiment flex et tout participe, même limite un petit mouvement de tête pour participer, pour vraiment acquérir cette vitesse et vraiment à la fois être léger. C'est vraiment ce travail de sentir. Vraiment. Vous voyez, pour le fast jab. Vraiment relâche. Ah, vraiment relâché. Vraiment, au début, c'est comme ça. Et ensuite, là, le corps va venir jouer un rôle. Vraiment là. Hein. Ce mouvement de... Voilà, vous voyez. Vraiment ce mouvement de... Boum. Boum. Prends son appui. Boum. Pour le fast jab, c'est pareil. Ensuite, on est là. La transmission se fait plus facilement. Et l'exercice à la fin que je vous montre pour les lombaires, donc le test que j'ai parlé en début de vidéo, donc c'est ça. Ici, là. Et vraiment sentir qu'on est sur le bout des doigts, sentir que là, la pointe des pieds, ça va ici. Et les mains vont faire une pression qui vont vers là. Et le dos va venir beaucoup participer. Donc ce qui fait travailler les lombaires. Donc ici, bam. Et c'est le mouvement de dos. Étirer le dos, vraiment sentir que... Voilà. Donc voilà, merci d'avoir visionné ma vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.